On se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon Heart Gold. Fusion random, c'est pas Heart Gold, c'est Soul Silver, Fildrong. Hey, j'aborde Fildrong, il y a marqué Soul Silver. Je vous prouve que c'est faux. Il y a marqué quoi là? Attends, merde, j'ai mal fait. Voilà, bah c'est Heart Gold, version Heart Gold. T'as déjà fait cette blague. Et voilà, je suis désormais chevelu. Oui, bah oui, bah j'ai empaillé un chat. Du coup, on a une nouvelle team avec notamment évidemment Vaccined parce qu'il a les PV de l'euphorie avec le bulk de l'euphorie plus Kangourex. En gros, il est complètement intuable. Bon, alors après, offensivement, il a pas grand chose. Je lui ai pris Pince-Masse. Sinon, dans le reste de la team, on a Brigitte. Nous avons Equibrist, Surf Tombroche, Aqua Jet et Onde Boréale. Évidemment, Lucarnage, un peu la star pour l'instant de ce let's play. Celui qui fait que on n'est pas en train de mourir comme des merdes toutes les deux secondes. Alors, du coup, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est traverser le chenal 40. Tu vas, Irisien, on se bat d'abord. Oh là là, ils veulent se battre, ils veulent tous se battre. Mucuskid, évidemment. Attendez, je voulais vous montrer la puissance du Pokémon invincible. Parce que il n'y aura pas de karma avec ce. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. À chaque fois, Fildrong, que tu t'es enjaillé sur un Pokémon, à la fin, il est mort. Oh là là, la puissance de Torgnol. Si on m'avait dit un jour que j'utiliserais Torgnol de manière sérieuse... En vrai, j'ai une seule faiblesse. Putain, mais regardez le bulk! Allez, tiens, pif, paf! Oh là là, on dirait moi quand j'étais animateur avec les enfants. Allez, Lilliput! Ça, c'est vraiment... Alors, je tiens à dire que ça faisait longtemps que... Je suis vraiment trop content de ce let's play parce que c'est vraiment le let's play parfait pour l'été. C'est le let's play détente, tu vois, il y a pas trop de challenge et tout. Il y a pas de challenge mais t'as trop de morts. Ça c'est des errements de l'histoire, je veux dire évidemment, c'est pour vous amuser. Typiquement ça c'est quoi ça? Ton cul, j'en ai rien à foutre. Il est quoi, Solvol du coup? Pince-passe? Ouais c'est ça, Solvol. Oh, zone. Alors attends, parce que on a vu que les Pokémon ici c'était globalement des Pokémon un peu rincés. Il faut qu'on pêche avec la deuxième truc. Ah! Alors ça c'est legit mon Pokémon de zone. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai bien fait de pêcher hein. C'est le Pokémon de savoir. On va l'appeler petite taloche parce que la taloche est la clé du savoir. C'est ce que disait mon grand-père. Psycho électrique, hardi de nature, vampibézeux dans le dracon. Danse Draco Croc Éclair stabé avec un petit vampibes étrange. Oui, oui, oui. Petit Danse Draco. Oui, bah oui. Petit, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout, hein. Il a lévitation. Oh là là. Il s'appelle Roseline. J'avais pas nommé un de mes Pokémon Roseline. Attention, ça a Dead Spectre. Mais bon, je pense que je le one-shot. Bagafix. Eh, hey, mais c'est le créateur de Pokémon Steam. Oh bah, ils se connaissent tous. Non mais vous savez, soyons très honnêtes, hein, c'est tout petit le game du Acrome et tout. Hein. Ils s'entre-sucent un peu. Hein. Après, il y aurait des gens pour dire qu'on fait pareil entre youtubeurs et streamers. Et là, je vous dirais, c'est exactement vrai. Et c'est pour ça que je me permets de dire que dans le milieu du Acrome, ils s'entre-sucent. Parce que, comme moi, on n'arrête pas de s'entre-sucer entre youtubeurs. Galali, c'est Bugfix. Ah oui, mais attends, mais je suis con. Mais c'est qui Bagafix? Ça me dit quelque chose. Mais non, mais Bagafix, c'est le nom du créateur du... Alors en fait, Bagafix, c'est le nom du créateur de ce jeu. Excuse-moi. Hein. Mais non, mais je comprends rien aussi. Ça finit par Fix et ça commence par B. Oh, mais vous êtes tous pareils, là. Voilà. C'est du racisme. Oh, ah, mais c'est le petit. Allez, chez. Du coup, Bagafix, il s'auto-suce. Que celui qui a jamais essayé de s'auto-sucer quand il découvrait son corps, jette la première pierre. Oh là là, Nécrozel. Ouh, attends. Faible à éboulement. Il faisait un peu peur, lui, le Nécrozel, là. Ouh là là! Allez, surf! Merde. Aqua Jet! Oh! Il a fait Vive Attaque! On est en train d'utiliser toutes nos potions pour entraîner Equibrist. Vas-y, Equibrist, tu peux le faire! Irisia. Donc là, je peux capturer un... Ah oui, mais on va me donner Karatroc. Pas dans la pharmacie qu'il y a quelqu'un qui me donne... Attends, bonjour! Une potion! Ton Pokémon m'a l'air en pleine forme. Oh, le Pokémon du phare, j'ai ce qui est chaud. La potion secret. Alors attends, c'est où le Karatroc? Je crois que c'est là. Tu viens d'Oliville, tu as dû apercevoir Catherine sur la route. On dit qu'une sorte de dieu de la mer y vit. Bah c'est moi le dieu des mers, non? Je comprends rien. Il y a un appareil photo automatique.
On va prendre une petite photo. Comme ça, on n'oublie pas ce grand moment. Un garçon à peu près de ton âge avec un regard méchant m'a volé un de mes Pokémon. Il m'en reste encore un, il va me le voler. Tu peux le prendre avec toi? Oui, bien sûr. Alors, normalement, tu le prends pas, hein, dans un Nuzlocke, tu pêches, mais bon. Il a statique, c'est très bizarre. Alors, c'est quoi ce truc? C'est Exagel et Limonde. Mais il a Ballombre et Direct Toxique et Prélèvement du Destin, tout va bien. Bon, alors, attends, mais je crois qu'on se bat contre Eusine, là. Suis-je prêt? Bah oui, je suis prêt. J'ai un Pokémon invincible. Il est 21h30. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Non, mais ça, en vrai, on va. On a Bombeuf. Me fait représailles! Vacciné, tu ne rends même pas ça drôle. Après, les gens, ils vont faire... Fils drôle. Je comprends mieux pourquoi Suicune semble s'intéresser à toi. Ouais, bah, tu t'es fait rincer. On a eu le Pokémon de zone, du coup, bah, on peut aller à l'arène direct. Hein. Force, ça doit le... Ah non, il était poison insecte. Oh, chiant. Bon, attendez, parce que je me suis fait poisonner. Oh non, j'ai Natural Cure. Oh là là. Mais ce Pokémon est parfait. En vrai, entre Lucarnage... On est invincible, on est d'accord. On est beaucoup trop fort. Oh. Pff. Tous les Pokémon font zéro, c'est impressionnant. Là, normalement, tu te dis, putain, j'ai peur pour ma vie, mais pas du tout. On roule sur tout le jeu. Il doit avoir une énorme défense, lui. Attends. Il est acier. Heureusement que c'était pas riposte. Heureusement que surtout que je lui ai pas fait mal. Tu vas te prendre un prélèvement du destin. C'est un peu ça, oui. Il est acier spectre. Oh là là, quel enfer ce type. On va l'endormir du coup. Ouais, le fulmifère m'a fait un peu peur, j'avoue. Oh, y'a Bimbo qui m'appelle. Vite. C'est moi, Bimbo, tu vas bien? Ouais, ouais, je possède une Mercedes. Je sais pas si je t'avais dit aussi, mais là, récemment, là, je me suis acheté un caniche. Oui, parce que j'ai du cœur. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrêmement musclé seulement. Je suis également un homme avec un cœur. Du coup, ça va, Bimbo, hein, voilà. Tu aimes les Jiraoshi? Écoute, écoute. Là, j'en ai un. Il est... je le trouve pas, là, mais... Mais ouais. Je vois tout à fait ce que c'est comme Pokémon, en plus. Moi, bof, bof. Non, mais tu sais... Je les aime pas vraiment. Les goûts, les couleurs, hein. Ah non, mais t'as raison, hein. Les goûts, les couleurs. En attendant, j'ai les mêmes goûts et les mêmes couleurs que toi, hein. Ah, il a raccroché. Elle a raccroché. Non! Bimbo, c'était pas une Bimbo, c'est un crache-feu! Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, Bimbo! Bimbo, il faut que je le rappelle pour qu'il comprenne. Je suis désolé, mais c'est pas possible entre toi et moi. Allô, ici Bimbo. Bimbo, écoute. Tout à l'heure, tu as pu penser... que ce que je faisais, c'était de la drague, mais en fait, c'est de l'amitié pure. Un peu comme avec Sunday, tu vois. C'est pour rire, évidemment. Je veux dire, évidemment, hein, je ne souhaite pas que... Je ne souhaite pas particulièrement engager une relation sentimentale avec toi. Les Pokémon ont plein de types différents. Oui, mais voilà, exactement, Bimbo. Les Pokémon ont plein de types différents. Toi, tu es type voilà, et moi, je suis type voilà. Les types et les types ont le droit de cohabiter de manière incroyable. J'ai plusieurs amis de type... Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je suis du même type. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le type eau est aussi bien que le type feu, sont très forts en stratégie, il n'y a aucun souci, mais ce ne sont pas les mêmes types. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Non, je me permettrai pas de dire qu'il y a un inconvénient ou un avantage. Je pense que nous sommes tous égaux, c'est très important, nous sommes tous égaux. Mais je ne suis pas du même type que toi, il n'y en a aucun qui soit le type. Exactement! Nous sommes tous à égalité. Et c'est ça qui est beau. Mais... Arrête, ne pleure pas au téléphone. Tu sais que c'est très difficile pour moi. Je préfère quand même le type feu. Mais oui, exactement. Je suis pas type feu, je suis type... Oh, t'as très bien compris. Il a raccroché. Je crois qu'il faut qu'on lui laisse un peu de temps pour... Un peu de temps pour digérer. Interdit de me dessiner en mode yaoi avec Bimbo, s'il vous plaît. Je vois les artistes féminines de la communauté. On connaît les bails, hein. Moi, je me rappelle avec Nicolai, là, quand j'étais parti dans un délire avec Nicolai. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent me dire c'est vrai que t'étais amoureux de Nicolai. Qui t'a permis de couper l'eau? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ouah. Oh, il est beau, lui aussi. Filon, filon. Vous voulez qu'on soit vraiment pute? J'adore faire ça. Coup de pied dans ta gueule. Ok. 3 Lilliputs, pied voltige. Ne rate pas, d'accord. Mais d'où? Mais putain, mais d'où il touche? Abusé en vrai. Pas encore fini. Bah, ta mère, elle est finie. Quoi?
Mais alors, t'es rincé sans Pyeongchuk. Pendant cela, Confined s'enjaille. Dis-le-moi, pourquoi m'avoir trompé avec Chuck? C'est donc ça le typo? Écoute, Bimbo, ça suffit. Voilà, j'ai ta potion secrète. Je peux soigner. Fafa, fafa! Incroyable, nous sommes tous aveugles. Ça a marché, tu nous as sauvés. Je retourne à l'arène. Lave tes badges. Oh, je crois qu'on peut pas laver ses badges dans cette version, non? Oh, on peut pas laver ses badges. Oh, le kiff. Le kiff. Le kiff total et permanent. C'est moi, monsieur Baoba. Le parc est ouvert. Oh. On va faire l'arène d'abord et puis après, on va faire monsieur Baobab. Je suis la championne d'arène, Jasmine. Et j'utilise des Pokémon de type Tadam, acier. Vous connaissez le type acier? Non. De type acier. Les Pokémon de ce type sont durs, froids et très puissants. Calme-toi, Jasmine. Enfin, je veux dire... En ce moment... Ah, là, les niveaux sont à nouveau augmentés. Là, je reconnais. Il doit être spectre, spectre glace, donc éboulement. Oui, oui, voilà, on fait zéro dégâts. Super. Voilà, les niveaux sont augmentés, là, d'un coup, là. Ok, là, tout de suite, là, c'est marrant, mais c'est moins drôle. Je m'amuse moins, là. Allez, tête de fer. Allez, chais, au revoir. Au revoir, Bagagis. Il n'y a qu'une seule solution contre ce Pokémon. Lilliput. Allez, force. Mais c'est quoi ces dégâts? Je lui inflige zéro dégâts. Oh, le coup critique par contre, merci. Ok. Son dernier Pokémon, il est niveau 42, mais il est rincé. Oh là là, mais tu peux même pas me toucher. Tu peux même pas me toucher. Un cœur d'acier se bat jusqu'au bout. Ça, c'est bien dit. Et c'est pour ça que je vais te finir avec vol. Non. Oh, le Gridrong. Oh, le Gridrong. Oh là là, terrible désillusion. Je veux le finir avec l'équilibriste. Il n'y a pas de raison que ce soit jamais les mêmes qui brillent. Oh là là, le surf. Mais c'est quoi son bulk? Mais il a les stats. Oh là là, Fildrong, est-ce que t'as fait le fou? Non, ça va, ça va, ça va. Mais arrête de faire repos! Laisse l'équilibriste faire le taf! En tant que dresseur, il me semble que c'est toi qui domine. Non mais Jasmine, calme-toi. Je sais pas si je peux montrer ça. Non mais c'était pour savoir, c'était pour un ami, c'était pas pour moi. Avec que de faire grâce à sa queue rendue très dure. Jasmine! Ça ne peut pas continuer comme ça, Jasmine. Je veux dire... D'accord, donc super ce dresseur, y a pas de problème. Tout va bien. Donc voilà, le type acier est très dur, domine-moi, Non, mais je pense que voilà. Bon alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'on était déjà allé à Akajou, donc on va pouvoir voler. Oui! Toi aussi, tu as vu les hommes en noir. Ah oui, alors c'est vrai. Attends. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La route de nos ancêtres de géants guerriers celtes, après de longues batailles, se sont imposées en maîtres. Ah, vous pouvez me retrouver. Ouais, bah j'ai mon nouvel EP là qui sort bientôt là. Et puis, une fois qu'il sera sorti, bah voilà, vous pourrez l'acheter, hein, je compte sur vous. Est-ce qu'on a eu un Pokémon de zone ici? Je crois pas, hein. En même temps, est-ce que j'aurais pas préféré avoir un... Attends, mais on est d'accord, ça a des attaques plantes peut-être, ça. Envie de finir. Mais de toute manière, j'ai remarqué que... J'ai déjà remarqué souvent que vous étiez super... Oh là là, mais non! J'étais pas concentré! Mais c'est à cause de vous, vous critiquez mon rap! Pour la peine, je vais continuer. Dans la vallée... De Dana, la lilala, des champs de guerre près des flambeaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc colombette là? Un petit feat avec Nekfeu. Bah en fait, il m'a, moi je peux rien vous cacher, mais il m'a appelé pour me proposer un feat. Je lui ai dit bah écoute, t'es gentil Nekfeu, je sais que t'aimerais bien faire ton comeback avec moi. J'ai pas vraiment le temps là, je dois live ce soir. C'est comme ça que j'ai refusé un feat avec Nekfeu, mais voilà. Puis il y a Orelsan aussi, il m'a téléphoné, il m'a dit oh salut mec. J'aimerais bien faire un feat avec toi. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, au bout d'un moment, faut vous arrêter. Je veux dire, clairement, vous êtes chiant, en fait. Ça m'énerve. Mytho! Comment ça, Mytho? Je trouve ça un peu vexant que vous puissiez me traiter de Mytho. Alors que j'arrête pas de vous prouver chaque jour que je suis quelqu'un de très sérieux et que je ne mens jamais. Je veux dire, merde. Mais moi, vous savez que je connais par cœur toutes les chansons de Nekfeu parce que bah c'est moi qui les ai écrites. Oh là là, il pleut! C'est le lac colère! Il est énervé. Alors attends, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a le... Faut pas que je rencontre de Pokémon, sinon je vais me faire punir. Qui se rappelle de Lori? Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème. Pardon, excusez-moi. Bon alors du coup, on est en train de tourner dans le labyrinthe du lac Colère.
C'est vraiment passionnant. Oh, il est là. 100% c'est pas un Léviator. Ah. Pour l'instant, on tente les boules à... Ok, dans la Pokéball, le premier coup. Shigekiss. Ses oreilles très sensibles lui permettent d'entendre de très loin. Ah bah, il regarde pas souvent des lives de Fildrong. Il préfère les endroits calmes. Ah bah, tu vas être parfait avec moi, toi. Qu'est-ce qui aime bien le calme? Les papis dans les EHPAD, t'aimes bien? Ethan Ken. Quand moi, je serai en maison de retraite, il y aura des mecs qui s'appelleront Nolan, ou Ethan, ou Timothée, qui seront en maison de retraite, et ça, je trouve ça génial. Très honnêtement, j'aurais préféré ça. Nolwenn le miel, en plus, ça aurait été parfait. Même ça, c'était mieux. Oh là là, mais pourquoi nous, on a un truc nul? Je m'en bats les reins, moi, de Shaymin. Ah oui, c'est vrai, il y a pété. Pété. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Ah ouais, on va lui prêter ma force. Je pars devant, retrouve-nous à Akajou. Ah ouais, tu pars en volant. Bah moi aussi, regarde. Mais sauf que moi, je vole sur mon l'euphorique Angourex. Et chais. Oh oui, on va voir le moment le plus épique avec Ultra Laser. I'm a fire in my laser. J'ai pris un ultra laser dans la gueule, mec. Je faisais les dresseurs à l'infini. Je désactivais pas les trucs pour avoir plus d'XP. Peut-être qu'en 2021, j'ai plus envie de me retaper tous les Pokémon. En plus, je me rappelle que ils sont particulièrement faibles, hein, les dresseurs. Ils sont pas très forts. Après, ça fait plein d'XP pour Equibrist, qu'on veut voir évoluer, hein. Oh, Gigamorse. Mais non, c'est un Spinda. Mais pourquoi t'es un Spinda, toi? Mais pourquoi c'est un Spinda, ce truc? Equibrist, le Spinda qu'on embrasse. Oh là là, surf à Codette. Là, va y avoir les G... Ah merde, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est... Oui, parce que c'est vrai, il y a des Pokémon, donc c'est un Pokémon de zone. Là, je suis dans le repère Rocket. Pour déverrouiller la porte de l'engin qui émet ses ondes radio, il faut la voix d'une certaine personne. Et c'est le commandant Lambda de la Team Rocket. Moi, de toute manière, j'ai un courant politique. Ça s'appelle le type acierisme. Hérétique ! Au bûcher ! Seuls les gens de type acier et abonnés à ma chaîne peuvent, en fait, vivre. Mais bon, c'est souvent... C'est pas très toléré. On n'est pas beaucoup, hein. Mais vous pouvez rejoindre mon parti, hein. Tiens, la cité 19 Aval. Là, tu vois, j'aurais pu faire une grosse blague sur les mères méchantes. Mais je le fais pas parce que maintenant, je suis quelqu'un de poli. J'ai changé. Oh, mais faut arrêter avec Zigoupa, là. Allez, de toute façon, il est faible au type... Die ! Putain, mais non, mais c'était le survivant! Mais à chaque fois que je me sens bien, il y a un truc qui... Mais d'où il a vendu des tacs coups critiques sur Brigitte? Brigitte! Mais putain! Mais arrêtez de me tuer mes Pokémon! Il avait la plaque rock, il avait les pièges de rock, il était tellement bien! Brigitte! Mais non! La femme d'Emmanuel! Comment pourrais-je accéder aux hautes sphères du pouvoir maintenant? Un doux baiser! Mais putain, mais ça suffit, en vrai, faut arrêter, hein. Oui, mais peut-on parler du titanesque paquet de Brigitte sur son sprite? Bah oui, mais justement, y a plus de titanesque paquet de Brigitte, il est mort, Brigitte! Mais je suis trop deg, Brigitte. En vrai, c'était mon Pokémon préféré de la team. À chaque fois que j'ai un Pokémon que j'adore, de toute manière, il meurt. C'est le monde où seuls les forts survivent. Il était trop cool, il avait les 3 kilos dans la main. Oh là là, je suis dégoûté. Et Flash, me voilà. Non, non, je suis pas prêt, la Bouic. C'est ici que je te retrouve, tu l'aimes tant que ça, la Team Rocket? Je m'en fiche, ce qui m'intrigue, c'est ce dragologue au manteau. Oh non, s'il te plaît. Ah, j'ai pas le temps de perdre avec toi. Oh, merci. Oh, j'ai eu tellement peur. Désolé, je suis en retard, j'étais parti pêcher à la mouche. Mais ça se vit, la mort, à chaque fois, tu dis ça. En plus, c'est quoi tes vacances tout le claqué, la mort, là? Ah, y'a Giovanni. C'est donc toi, fifou, tu ne sais pas qui je suis. Je suis Giovanni. Mais non, mais c'est pas Giovanni. Comment ça, je ne lui ressemble pas? Je me suis entraîné tous les soirs pour l'imiter. Je suis le commandant Lambda de la Team Rocket. Eh, hey, mais toi, je vais t'allumer, en fait, Lambda, hein. Oh, le hat. Le hat qui est tellement bien pour moi, parce que du coup, il va rater... Oh là là, incroyable. Oh là là, oh là là. Par contre, il a survécu. Mais il est super. Bah, level lui aussi, son Pokémon, là. Ouais, je suis une merde, ouais. Oh, non! On ne bouge plus! Y'a rien, on va pas te laisser fouiner comme ça. Pas un geste! 2 contre 1, c'est un combat inégal. Vous êtes bien digne d'appartenir à la Team Rocket, bande de lâches. Il va falloir vous adapter parce que je compte bien participer aussi à combat. Ils sont rincés, la Team Rocket, dans cette version. Ah! Ça fait beaucoup de Pokémon, dangereux pour moi, ça, non? On va faire Lilliput en premier. Mais putain, mais pourquoi mon... Mais
mon pote me tue. Oui, Lucarnage à lévitation. Voilà, c'est bon, il l'a tué. Quel enfer, ce Pokémon. Cette expérience avec les ondes radio a été concluante. Ce repère ne nous est plus d'aucune utilité. Faut mettre KO tous les Zeldritrod. Il est beau, hein. Il est très très beau, hein. Heureusement qu'il est bas level, mais il est beau, hein. Putain, j'aurais bien aimé avoir ça en Pokémon de zone. Mais bon. Oh là là, Ouais, ça, c'est quoi ça? C'est normal. Ok, ça devrait tuer le niveau 23. Oh là là, il faut que j'aille à Akajou. On va legit faire 3 badges. Oh, il y a Jezebel qui m'appelle. Attends, on est d'accord, Jezebel, c'est une meuf. Bonsoir, Fifou. Salut, Jezebel. Encore debout? Toujours debout, même. Tu connais comment c'est, hein. Ah bah, le travail. On se lève, on travaille. On s'amuse aussi, on se couche, on se lève, toujours debout en tout cas. Mon Toupini et Tichéri fait de son mieux, bah oui, bien sûr. Mais tu sais, Jezebel, on fait tous de notre mieux. Quel est ton Pokémon préféré? Tu me le montreras la prochaine fois. Écoute, la prochaine fois, je te montrerai mon Topicœur. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, allez, Jezebel. Ah, je te laisse, allez. Bon, on met qui comme nouveau Pokémon? Parce que là, on a à nouveau que 3 Pokémon. Ah oui, il y a le parc Safari aussi. Ah, mais attends, c'est une zone, c'est pas le parc Safari, c'est une route. J'avais envie de vider mon sac, mais bon, pour un combat. Mais attends, du coup, dans la grotte falaise, il y a un Pokémon de zone. Parle à maman. C'est pas grave. C'était de la merde, voilà, j'ai pas le sub. Bon, là, il y a une zone surf. Il est horriblement moche. On l'a déjà en plus. J'ai pas envie de capturer un Prinfeuille. On l'appelait Zinénaz. Par contre, c'est quoi cette zone là? C'est trop bizarre. Oh, mais attends, il faut plein de trucs ici. Il faut escalade. Elle est cool cette zone. Je crois que c'est la première fois que je vois cette zone de ma vie. T'es jamais allé là? Je protégerai de toute la force de mon amour, si vaste, si profond. Oh là là. Oh, il est trop stylé, Pyrorio. Ah oui, mais du coup, c'est plus. Attends, si c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle route. Non, c'est pas une nouvelle route. En vrai, ça c'est sympa. J'aimerais bien l'avoir dans. En vrai, je peux mettre lui dans l'équipe. Oh, en vrai, je pense que je mets lui. Comment il s'appelait déjà? C'est Désillusio, c'est ça, merci. On a fait une chanson! Le Safari Card s'élance dans l'air. Courbe parfaite dans le ciel clair. Notre sœur hissait sur nos fronts. Quand on attrape tous ces Pokémon, on rencontre des gens gentils et jolis en marchant dans le parc Safari. Oh, c'est immense cette zone. Où est-ce que je capture mon Pokémon? En l'honneur du plus grand youtubeur de la Terre. Voilà, Gotha JDG, tu ne seras sans doute jamais utilisé. Mais sache que on t'a aimé pendant quelques secondes. On va s'arrêter là du coup pour le live. Bon bah c'était très très cool. Allez, gros bisous les mecs.